Je dirais Batman pour ses gadgets. Ah, moi, ça m'a toujours fasciné l'espèce de harpon là pour grimper au mur, tu vois, qui s'attache et puis il plane comme ça, j'adore. Je pense que c'est... Aïe. C'était le Mama Festival, c'était un tout petit truc, un plateau belge. Mais maintenant, on a fait un concert en prison, dans une prison longue peine, ça s'appelle Anden. Et c'est là, clairement, on a fait le premier pogo d'histoire des prisons belges, donc c'est Anden. Moi, j'aime bien l'Amérique, hein. Les grands boulevards, les grands bâtiments, les gros donuts, les gros sodas, j'aime bien l'Amérique, moi. Je pense que les gens qui me connaissent, ils me disent plus New York, quoi. Les injustices, le racisme, ce que je l'ai vécu. Je le vis encore. Je fais caca. Hashtag LVA. La vie augmente, c'est le concept de EP que je sors. C'est ma philosophie de vie depuis 2-3 ans. Et je me réveille tout le temps en pensant à ça, l'augmentation. Ça s'appelle le pondou. C'est des feuilles de manioc avec du riz et du poulet. Il y a des écoles, j'ai fréquenté des bonnes écoles et des mauvaises, mais l'écart il est vraiment très très grand entre les deux. Et je pense qu'il faudrait réduire cet écart et que tout le monde ait un bon niveau scolaire et donc des bons professeurs bien formés et compagnie, quoi. Ça ferait moins de... Ben justement, c'est lié aux injustices et tout. Si on t'apprend les bonnes choses à l'école, les bonnes valeurs, il y a moins de problèmes. En une seule phrase sur Tinder. Ouais, je dirais, qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis un gars bien. Je suis un gars bien, fais-moi confiance. Le site que je consulte le plus, ça doit être un site de rap français, à mon avis. Sûrement au calme ou quoi, un truc comme ça. Je crois que ça doit être Freeze. Freeze Corleone, il a sorti un truc. Je crois que c'est ça le dernier truc que j'ai regardé, ouais. Il a sorti un son drill, un remix, les Pop Smoke. Moi, je suis fan d'un mec qui s'appelle Valé. C'est un mec de Chicago qui a une trap hyper chelou avec son beatmaker, ça s'appelle Change the Money. Et je crois que c'est son projet. C'est ça que j'ai le plus saigné. Cannabis. Ouais, mais vous trichez parce que vous êtes des Belges. Ouais. Ah, ici, c'est pas légal. Je dirais le café, alors. Avec sucre? Ouais, toujours. Hein. Pourquoi j'aimerais me réincarner? Franchement, je sais pas, mais je dirais quelqu'un de simple, quelqu'un de normal, qui a une vie simple. 1h, 2h du matin, avant d'aller dormir, avec beaucoup de fatigue. C'est une bizarre comme question. Hein. Bon, j'essaie de le faire rire d'abord. Après, j'essaie de lui montrer que je suis là et qu'il peut compter sur moi, je pense. Là, je change un peu les idées, ouais. Julie lui a dit qu'elle était vierge, elle lui a refilé SIDA. Ça fait trop rire cette phase. Et en concert, c'est la phase que tout le monde kiffe, et on l'a dit en cœur, et c'est bête, c'est méchant, c'est nul. Mais voilà, c'est du rap, on a le droit. La renaissance, j'ai envie de dire. En francophone, je dirais Hill, en fait toute la clip Time Bomb. Je pourrais rajouter Nubi, Mac Tyer, Booba, Salif. En fait, c'est des fois, il y a des gens, tu les prends pour des cons, mais ils sont pas cons. Et ils te laissent les prendre pour des cons. C'est un défaut parce qu'ils laissent passer plein de choses. Mais en fait, ils ont vu tout le film. Donc, c'est cette espèce de naïveté ou contrôlée, en fait, où tu laisses les gens te prendre pour un con.